Parlons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. Le maire Alexandre Cusson qui est de passage toujours au lendemain de la séance du conseil municipal. Ouais. Et on l'accueille en studio. Comment ça va? Ça va très, très bien. Retour de vacances la semaine dernière. Et là, c'est reparti la machine. Là, vous en avez profité en masse pendant vos vacances. J'en ai profité. J'ai eu toute une révélation pendant mes vacances. Je suis allé voir un match de baseball des Aigles de Trois-Rivières un soir avec des amis. Et la révélation, c'est pas le baseball des Aigles, c'est pas Trois-Rivières non plus, on s'entend. Mais c'est de voir Étienne monter sur l'abri des Aigles danser. Alors, j'ai pris une petite vidéo. J'ai envoyé ici, Justine et Yannick. En tout cas, j'ai été vraiment impressionné. Je me suis dit, il est mieux de continuer à faire de la radio. Mais moi, je me donne corps et âme. Surtout corps. Ben justement, vous parlez baseball, sport, on a eu une bonne nouvelle la dernière journée. Oui. La confirmation, on savait déjà que ça allait se faire. Là, il restait la part du gouvernement à savoir combien on allait recevoir du gouvernement provincial pour le projet de complexe sportif soccer, arena, qui va se faire tout près du cégep. Là, c'est d'athlétisme, oui. C'est une excellente nouvelle, d'une part, parce que la ville de Drummondville a obtenu le maximum possible dans le cadre de ce programme-là, 7,5 millions. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. C'est un projet qui est appuyé par la famille Girardin, 1,3 million de dollars. Alors, quand on voit là tout ce qui se met en place, on est très, très heureux. C'est long, hein, réaliser un projet comme celui-là. J'en parle depuis mon arrivée à la mairie en 2013. Ouais. J'ai fait énormément de représentations au cours des dernières années. Je dois dire qu'au cours des derniers mois, j'avais vraiment augmenté la cadence pour régler ça avec le ministre Proulx avant la fin de son mandat. Et je suis très, très heureux. Le ministre Proulx a vraiment compris que on a des jeunes qui vont jouer au hockey à Saint-Léonard-d'Aston, à Actonville, qui se promènent un peu partout, Richemont. Des horaires pas possibles. Ça n'a pas de sens. Ouais. On parle d'environnement, on parle de réduction de gaz à effet de serre, mais on met les gens sur la route. Donc, il fallait régler cette question-là. Quand on parle de soccer, on dit beaucoup soccer, mais vous savez, on peut avoir du football, du baseball, on peut avoir un paquet de sports. On n'avait pas à Drummondville cette surface intérieure-là. On était en retard, on le disait, on le savait. Alors là, ça, c'est un projet, la piste d'athlétisme aussi, c'est un projet grand public. Mm-hmm. C'est pas un centre sportif pour tenir des compétitions puis avoir 5000 personnes. Parce qu'on posait la question. C'est pour le monde. Okay. Je vais être très clair. On fait un centre sportif pour le monde, pour les saines habitudes de vie, pour nos jeunes, pour nos familles. Alors, installer là, par exemple, 2000 places pour présenter une fois ou deux ans ou deux fois par année des compétitions internationales ou nationales de patinage artistique, c'est pas ça qu'on veut. On aurait pu avoir 5000 places, on aurait pu avoir le plus grand centre intérieur au monde, mais on l'aurait pas eu parce que à un moment donné, il y a une limite, ça s'appelle les coûts. Et là, on est très heureux, c'est un projet qui est autour de 18 millions qui va être magnifique, qui va être parfait pour la pratique du sport, de nos jeunes, de nos familles. On a focusé là-dessus. Et ça va être très positif. Ouais. C'est prévu même pour être possiblement agrandi si la demande est importante. Okay. Pour ce qui est de la surface intérieure, on a fait en 2014, au début du projet, on a confié à des professionnels une étude de besoin. Donc, cette personne-là est allée rencontrer les associations sportives, a parlé, a noté les besoins et nous a dit, voici la grandeur qu'il vous faut dans un premier temps, mais gardez donc un peu d'espace pour agrandir. Ah, c'est nécessaire. Donc, tout ça est prévu. OK, voilà, ça se peut qu'on en... Donc là, il y a des associations sportives qui ont dit on nous a pas consulté. Le problème, c'est qu'on a consulté les associations sportives il y a 3 ans, quand on a commencé le projet. On n'est pas retourné à chaque semaine. Voilà. Et là, dans ces associations-là, ce sont des gens de bonne volonté. Les conseils d'administration changent. Et là, ils disent, moi, on m'en a pas parlé. Mais chaque association a été consultée. C'est un dossier qui était très préparé. Écoutez, pour obtenir le maximum de subventions, il fallait avoir un dossier complètement attaché. Et c'est ce qu'on a eu. Et je pense que dans les circonstances actuelles, c'est une excellente nouvelle. Vraiment. En tout cas, moi, j'étais très heureux. Il y a quelques semaines, quand on m'a dit, monsieur le maire, restez calme, mais ça sent bien. j'avais eu cette information-là. Alors, quand on m'a dit que c'était rendu public, j'étais pas surpris de l'annonce, mais j'étais surpris que ça soit annoncé. C'est ça. Le projet de l'ancienne bibliothèque, là, on a lancé un peu un appel parce qu'on veut vendre le terrain et le bâtiment. Ouais, c'est ça. On comprend, là, et on va dire les vraies choses, là, ce bâtiment-là, on a fait faire des analyses, là. On est parti de là parce que il y avait un déficit d'entretien important. C'est vétuste. Ce serait surprenant que quelqu'un nous dise, je vais partir du bâtiment pour faire autre chose. Ça serait mis à terre. C'est ouvert. Okay. Quelqu'un nous dit, moi, j'achète terrain, bâtiment, puis j'ai l'intention d'utiliser le bâtiment. Tant mieux, on va être heureux, ça va donner des points de plus. Mais là, c'est nouveau, on n'a jamais fait ça à Drummondville. On dit maintenant aux promoteurs, soumettez-nous des projets, soyez créatifs.
c'est pas nécessairement ce que vous allez investir qui compte, c'est ce que vous allez en faire, c'est la créativité que vous aurez, c'est la beauté que vous ajouterez au secteur qui en a grandement besoin. Donc, on se lance un appel de projet jusqu'au 30 novembre. Après ça, le comité consultatif d'urbanisme, il faut le dire, hein, qui est composé majoritairement de gens qui ne sont pas des élus, donc des citoyens qui ont été recrutés au fil des années, qui sont là chaque semaine ou plusieurs fois par mois, qui siègent sur les questions d'urbanisme, vont faire une recommandation au conseil municipal et on espère que c'est un projet qui pourra se réaliser en 2019-2020. Et rapidement, en terminant, on a donné le contrat pour l'aménagement de la promenade des Voltigeurs, un petit peu en bas du budget qu'on avait prévu. Oui, mais encore là, on criera pas victoire trop vite. Mm-hmm. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on respecte le budget. Petite économie, mais vous savez ce que c'est quand on développe un projet, on veut toujours le rendre plus beau. Donc, ça nous permettra peut-être, par exemple, d'ajouter des buvettes le long du parcours, de faire de quoi de bien. Des extras, alors, oui. Le budget va être respecté. Ça, c'est une bonne nouvelle. On commence les travaux septembre, octobre. Vous savez que ce projet-là se fait en deux temps. Deux ans, ouais. Pour une inauguration. Au cours de l'été 2019, l'idée, c'est que on respecte les moments d'ouverture, par exemple, du village québécois d'antan, du camping des Voltigeurs à côté. On débarquera pas, là. Donc, c'est pour ça on que les travaux nuire, se font une bonne partie à l'automne. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi aménager quelque chose de très beau entre les deux ponts. Donc, du côté de Saint-Charles, là, qui est un secteur qui est magnifique. Oui. Qu'on gagne à connaître et surtout qui va être beaucoup plus attirant à partir du moment où on va avoir embelli ce site-là. Ce que j'aime, c'est que le maire arrive toujours avec des bonnes nouvelles. Oui. Hein? C'est une fun, ça. On essaie d'en regarder, c'est parce que les gens de Drummondville sont impliqués, croient à leur ville et puis vont de l'avant. On est très, très heureux. C'est le fun, honnêtement, de Drummondville. Alexandre Cusson, merci beaucoup de votre passage ce matin. C'est toujours un plaisir. On se revoit peut-être aux Aigles, mais surtout au Broc, parce que c'est là que ça se passe. Là, c'est demain le prochain match du Broc. Ils sont à Québec, par exemple. À Québec, mais s'ils perdent, ils reviennent ici en fin de semaine. Ça n'arrivera pas, Étienne, mais qu'est-ce que cette idée. Non, je sais, mais qu'est-ce juste que ça... cette idée. Est-ce qu'il y a-t-il un contrat à l'heure? Je vais fermer son micro. Il ferme le micro du maire. Bon. T'es dans le trouble. OK. Je vais juste prévoir mon week-end en conséquence. Bon. Imagine Dragons, c'est Whatever It Takes. Tout de suite, vous avez choisi le boost au 92.1 Énergie. Et ce matin, on reçoit, parce qu'il est de retour au boulot après les vacances, c'est le maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson, qui est avec nous ce matin. Bon matin, M. le maire. Bonjour tout le monde. Quel plaisir de retrouver Joannie. Oui, ce matin, hein? Hein? Ben oui. Je me suis ennuyé quand même. Ça a été agréable, mais Joannie, c'est Joannie. Merci. On en a discuté. Parce que moi, j'annonce du beau temps. Oui, c'est ça. Ça. Hey, voulez-vous que je vous laisse ensemble jaser? Ça ou... ben, ça c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. On n'a plus d'ancienneté, nous deux, dans ce studio-ci, quand je même. Je sais, je sais. Je voulais qu'on parle, monsieur le maire, du dossier là, du complexe soccer, arena, piste d'athlétisme. Rappelez un peu aux gens les grandes lignes, parce qu'on a eu une bonne nouvelle là, la semaine dernière. Oui, c'est une nouvelle extraordinaire. Hein? Le gouvernement du Québec qui nous octroie le maximum dans le cadre de ce programme-là, 7,5 millions. C'est un projet qu'on a travaillé depuis 2014. On y tenait beaucoup. Je pense que d'abord, une surface intérieure. On dit beaucoup soccer, là, mais ça peut être le baseball, ça peut être le football. Ouais. C'est une surface intérieure accessible 12 mois par année. Piste d'athlétisme pour les gens qui courent. Arena, hein, on se rappelle qu'on a plein de jeunes puis moins jeunes qui doivent faire de la route, qui vont à Richemont, qui vont à Actonville pour jouer au hockey, d'autres qui vont à Saint-Léonard-d'Aston. On parle beaucoup de réduire les gaz à effet de serre, mais on met les gens sur la route. C'est donc ça. Là, ils vont pouvoir faire leur sport ici à Drummondville. Ça, c'est extraordinaire. C'est pas loin du cégep, le complexe. Oui, voilà, hein? C'est ce qui est prévu. Il faut se rappeler là que, je le disais, 2014, on a en 2014 fait une étude de besoin, rencontré les associations sportives. On avait confié ça à une firme professionnelle qui nous avait identifié les besoins les plus urgents. C'est ceux-là qu'on va combler. Il y a des gens qui me disent, il faudrait avoir 2000 places au cas où on voudrait faire une compétition de patinage artistique à un moment donné ou ci ou ça. Ce qu'il faut se rappeler, là, c'est qu'on fait ce complexe-là pour monsieur, madame, tout le monde, pour la pratique générale, donc pour le plus grand nombre. C'est pas un endroit où on veut inviter le monde entier, c'est un endroit où on veut que les Drummondvillois puissent faire du sport, combler des besoins qui n'étaient pas résolus. Donc, c'est vraiment un projet magnifique. On aurait pu espérer 3000 places pour l'aréna quelquefois par année. On aurait pu penser avoir la plus longue piste au monde, avoir un grand soccer intérieur, mais on l'aurait pas eu. On l'aurait pas eu parce qu'il y a une limite de coût. Oui. On doit choisir parmi les projets. Je suis pas en train de vous dire que ce qu'on va faire va être cheap. Au contraire, ça va être magnifique. Oui. Entre autres, grâce à l'implication de la famille Desjardins, Girardin, il y aura là quelque chose d'extraordinaire. Mais vraiment, là,
faut se rappeler de ça. C'est destiné à la pratique du plus grand nombre. C'est pour monsieur et madame tout le monde. C'est pour les grands athlètes aussi, oui, oui. Comme Gab, qui va sûrement venir faire ce sport-là. C'est sûr. Mais c'est pas un site qu'on veut bâtir pour tenir des compétitions quelquefois par année aux frais des Drummondville. Est-ce qu'on sait à quel moment ça pourrait se réaliser, ce projet-là? Il faut savoir que là, il faut aller en appel d'offres pour les professionnels, faire les plans et devis finaux, aller après ça en appel d'offres pour la construction, faire la construction, tenir compte qu'on a ici des saisons. Je pense qu'une inauguration quelque part en 2020 là, est envisageable, c'est-à-dire au moins jusqu'à l'été prochain, les plans et devis, les appels d'offres, le début de la construction, un peu plus d'un an, donc quelque part à l'automne 2020. Gab, tu vas avoir le temps de te faire une ligue du vieux poil. Tu as juste le temps pour pouvoir en profiter. Le poil vieilli pas mal. Il y a autre chose qui pourrait se construire ou changer de vocation, du moins à Drummondville. On parle de la bibliothèque, ou devrais-je dire de l'ex-bibliothèque de Drummondville. On cherche quoi faire avec ça. Oui, sur la rue des écoles. Au fond, ce qu'on fait, c'est que la ville a évalué le bâtiment là, tel qu'il est. Hein. On se rappellera que c'est un bâtiment vétuste, c'est un bâtiment là, où il y a un déficit d'entretien important. Il y aura des décisions à prendre pour les gens qui en feront l'acquisition. Nous, ce qu'on dit aux promoteurs, c'est soumettez-nous des projets créatifs, intéressants. Dites-nous ce que vous allez faire, quand vous allez le faire, quel type de service vous voulez offrir, du résidentiel haute densité ou avec certains services. Bon, au fond, on lance un appel de projet. C'est la première fois qu'on fait ça à Drummondville. Ça va être vraiment le fun de voir comment ça va se dérouler. Il y a un comité qui est le comité consultatif d'urbanisme dans lequel on retrouve 3 élus, mais une majorité de gens de la population là, qui sont sur le comité consultatif d'urbanisme à l'année, qui vont évaluer les projets, qui vont faire une recommandation au conseil. Les promoteurs ont jusqu'au 30 novembre 2018, donc d'ici quelques mois pour déposer leur projet. Ça va être drôlement intéressant. Il y a des conditions. Par exemple, il y a sur ce site-là un devoir de mémoire, hein. La communauté anglophone a eu longtemps, là, un high school a eu une école. Donc, il faudra qu'il y ait un rappel, que ce soit par le bâtiment ou autrement. Mais il n'y a pas de condition à garder le bâtiment. Il y a une condition à rappeler vraiment la valeur historique de ce site-là, d'une certaine façon. Toujours avec le maire de Drummondville, M. Alexandre Ruxon. Rapidement, M. le maire, en terminant, on va parler de la promenade des voltigeurs. On a octroyé finalement le contrat. Oui, voilà. Alors, on sait que ce projet-là va se faire sur 2 saisons, compte tenu de l'opération du village québécois d'antan, du camping des voltigeurs. On commence en septembre, octobre, on va aller encore plus loin. Une bonne partie des travaux cette année, la fin des travaux au printemps pour une inauguration au cours de l'été 2019. Donc, ça s'en vient, ça va être une magnifique promenade. J'espère qu'on aura le plaisir d'y aller ensemble. Ça va être le fun. On verra si on invite Gab. Oui. On en profite avec vous autres. Monsieur le maire de Drummondville, Alexandre Ruxon, qui est avec nous les mardis au lendemain du conseil municipal. Merci beaucoup, Monsieur Ruxon. C'est toujours un plaisir. Bonne journée, tout le monde.